Madame, messieurs, bonjour. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre encore une fois aujourd'hui pour le compte de votre grand, de vous, grande tribune, mais aussi cette émission qui vous parle essentiellement sur ce qui concerne l'actualité politique, sociale et notamment économique, comme la coutume nous l'oblige. Encore une fois aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter un habitué, un invité, comme presque dans tous les samedis. Nous avons l'habitude de le recevoir. Il s'appelle Fortunon Duita, bien sûr cadre de RDT, mais notamment analyste politique, avec qui nous allons échanger multiples questions d'actualité. On ne va pas essentiellement échapper à cette question, la récente sortie médiatique de Patrick Muyaya, mais notamment on va aussi épingler la question de la correspondance de la communauté internationale concernant les manifestations en RDC. On ne va pas bien sûr oublier sur ce qui concerne aussi et notamment la question qui relève de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir encore une fois de vous dire bienvenue dans Grande Analyse. Bonjour Fortuna Duita. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous rencontrer encore une fois pour les comptes de Grande Analyse. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous dit déjà d'entrée de jeu? Comment se portent les partis? Comment votre santé, notamment la politique du pays? Ouais, ça va très bien personnellement et bon, les partis, ça va aussi. Ça va aussi. Et la politique du pays, je crois que ça va. Ça, La c'est. politique du pays, vous Ça croyez va. que ça va? Ouais, ça va. À combien de pourcents vous pouvez évaluer? À J'ai souvent 80. l'habitude de poser cette question, Ouais, à hein. 80% ça va, Parce qu'on 80%. doit être pragmatique, Bon, on en ne fait, à peut la pas dire des majorité, bien sûr, choses. hein, parce que la politique, c'est composé des deux partis, donc la majorité et l'opposition. À la majorité, ça va, parce que nous sommes en train de très bien travailler déjà. Et voilà, chez nous, ça va, à 80%. Et à l'opposition, là, je ne sais pas, mais bon. Puisque vous avez choisi d'être du bon côté de l'histoire. Effectivement, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Raison pour laquelle nous sommes en train d'appeler tout le monde, c'est qu'ils veulent écrire l'histoire avec nous, de venir nous joindre. Et Et cette on histoire qui va. s'écrivait déjà bonne ou vous êtes en Une train? très très bonne histoire, et surtout à raconter pour la génération future. Une histoire qui n'est pas encore écrite, mais vous êtes En train de l'écrire. de vous promettre que c'est déjà une Vous bonne savez que histoire. l'histoire est toujours continue. L'histoire n'est finie jamais. Mais cette étape d'histoire ici sera racontée autrement. Parce que vous le savez aussi, le mandat du président de la République est en cours, n'a pas encore pris fin. Donc nous sommes en train de patienter jusqu'au mois de décembre. On y croit qu'il aura aussi un deuxième mandat. Et voilà, donc nous allons continuer à écrire l'histoire. Même si Félix Tshisekedi est parti aujourd'hui, nous sommes là, tout jeunes, et espérons diriger le Congo demain. Donc nous allons encore écrire une très belle histoire. Qui sont là et continueront à écrire l'histoire. Nous sommes là, exemple-moi, exemple-toi, exemple nous tous ici. L'union sacrée. Effectivement, l'union sacrée, bien sûr, Parce parce qu'il y a que. aussi les jeunes de l'opposition, et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, les jeunes de l'opposition, bien sûr, mais je suis en train de parler aux Congolais, ceux qui veulent le Congo évoluer, n'est-ce pas? On peut être opposant. Mais bon, en détestant le Congo, il y en a, nous sommes en train de voir Pourquoi aujourd'hui. pas dire opposant en aimant les Congos? Parce que Effectivement, donc il y a deux on ne parties. Même dans la conteste pas quelque chose majorité, qui est seulement bon pour lui. il y a aussi des gens qui aiment le Congo, n'est-ce pas? Il y a aussi des gens qui aiment le Congo, moi. À l'opposition aussi, il y a des gens qui aiment le Congo, il y a aussi des gens qui n'aiment pas le Congo. Voilà Ce la n'est raison pas pour une laquelle je suis en train histoire. de dire que pour ceux qui aiment le Congo, n'est-ce pas, nous allons tous écrire une très bonne histoire et combattre ceux qui n'aiment pas le Congo. Cette bonne histoire n'est pas une histoire d'amour qui paraît imaginaire ou c'est vraiment une histoire réelle d'amour avec son pays. Exactement, c'est une histoire réelle d'amour avec le pays, parce que nous sommes là. Vous savez, tel que moi, comme ça, Ce n'est je pas suis une né. épopée, ce Non, n'est non, pas non, 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 non. historique, ce n'est Je pas suis une né. légende, ce Je n'est suis pas né. réellement Je aussi suis né quelque au chose Congo. qu'on rencontre seulement, en fait, un conte d'histoire qu'on peut raconter. Je Ce suis n'est né au pas ça. Congo, comme j'allais tantôt dire. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai étudié ici. Vous comprenez? Le Congo m'a donné un plus grand amour. Alors, je dois remettre cette flèche retour-là. Donc, un plus grand amour pour le Congo. Donc, pour remettre cette flèche retour, donc, je dois beaucoup faire pour le Congo. Construire une très belle histoire. Raison pour laquelle nous sommes à l'Union Sacrée, n'est-ce pas? Parce que le président de la République, premièrement, c'est un rassembleur. C'est quelqu'un qui appelle tout le monde au changement de mentalité et au progrès de cette société. Donc, nous sommes là en train d'apporter notre caillou pour que cette vision-là, n'est-ce pas, du relèvement du Congo puisse avoir lieu. Raison pour laquelle je vous ai dit tantôt que nous sommes en train d'écrire une très belle histoire qui sera aussi racontée, j'espère, d'une très belle manière. On espère que vous n'êtes pas plus que Congolais comme tout autre Congolais, hein, Non, qui se je. disent aussi, je suis étudié ici, je suis grandi ici, et je suis né ici. Ça fait de moi cette naissance être partisan de père et de mère qui sont Congolais, mais ils ne sont pas plus amoureux que d'autres Congolais. Non, non, nous sommes Congolais, effectivement, nous sommes Congolais, ça se voit.
parce qu'on n'a pas, on n'a pas été ailleurs, on n'a jamais aimé notre pays plus que le nôtre. Bon, on Donc va on a aller. Toujours aimé le Congo. C'était notre introduction. Je Merci suis beaucoup tellement pour heureux ces questions. qu'on puisse partager ces moments avec toi. Bon, on y va déjà d'entrée de jeu. L'accord signé entre la CPI et le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'ambition, l'objectif de cet accord, c'est soulager un cri de désarroi déjà crié, décrié beaucoup plus il y a longtemps par le peuple congolais, ceux qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, notamment pour traquer et poursuivre ceux qui ont commis des crimes contre la RDC. Quelle appréhension avez-vous par rapport à cet accord, disons? Vous avez déjà donné une partie de réponse, mais je vais essayer de répondre à cette question. Cet accord-là, premièrement, bon, en fait, pour faire une petite analyse, je vais dire qu'on a signé les accords avec la CPI, ça date de longtemps. Ça datait longtemps et le travail de la CPI ici en RDC a été très timide. Là, c'est un jugement personnel et c'est un jugement aussi de beaucoup de personnes. Ça a été très, très timide. Pourquoi? Parce que les crimes de guerre ont été faits depuis. Ça date de longtemps. Et ces personnes, ces caciques qui commettent des crimes là-bas, nous les connaissons, nous sommes avec eux, nous parlons avec eux, mais il n'y a aucune sanction. Raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi, qui était en train d'appeler à cesser le feu à l'est du pays, qui a même suggéré au M23 de se retirer, n'est-ce pas, et construire, n'est-ce pas, un avenir de paix, a jugé bon de signer un accord avec la CPI. Cet accord qui existait depuis longtemps, mais maintenant, parce que je suis vu aussi M. Kane qui a dit que cet accord sera d'une autre approche au fait. L'approche maintenant, ça serait de traquer ceux qui sont en train de commettre des bavures dans l'est du pays. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a droit à la liberté d'expression, tout le monde a droit à vivre en paix, de vivre en paix, tout le monde a droit de s'exprimer librement, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui n'est pas là-bas à l'est du pays. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris en otage, beaucoup de gens auxquels la liberté a été rétrécie. Alors nous espérons qu'avec cet accord, les choses vont s'arranger. J'ai eu à travailler aussi dans un call center dénommé 122, qui luttait contre les violences basées sur le genre et contre toute forme de violence. J'ai eu beaucoup de cas, beaucoup d'accusations dans l'est du pays. Et je vais vous dire d'ailleurs, Nord Kivu, Sud Kivu, c'est un milieu où les violences sont faites à tout moment, à toute heure, parce qu'on recevait pratiquement les appels qui venaient de partout pour décrier cette violence. Mais malheureusement, cette violence qui ont été faites là-bas, qui ont été dénoncées, n'ont pas trouvé solution jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle, à cet accord, nous espérons voir un changement. On espère avoir un changement. Est-ce que pensez-vous, aujourd'hui, après des accords signés, la RDC et autres partis ou encore de tierces parties qui gèrent notamment de punitions, des cours essentiellement qui sont chargés de traiter ces questions, comme par exemple, je vais bien dire, il y a le rapport McPing qui a envoyé essentiellement des histoires pour ne serait-ce que décrire ce qui se passe. Vous venez de parler sur ce qui concerne la violence faite contre le genre ou contre le sexe, je ne sais moi, féminin ou dire quoi. Bref, des violences qui sont faites à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, est-ce que pensez-vous qu'il y a lueur d'espoir à espérer que cet accord, nous sommes déjà partant de ce que est la CPI. Mais aujourd'hui et demain, on peut espérer, 10 jours au lendemain, un changement et avoir un lien d'espoir, espérer qu'il y aura un gain de cause par rapport à ça. Vous savez, M. Kane, qui est le procureur de la CPI, est une très grande personne, une haute autorité qui est respectée. Il a dit dans son discours, je suis venu non pas pour de paroles, mais plutôt pour des actions. Et Fatou Bensouda l'a fait aussi. Effectivement, raison pour laquelle, même avec le président de la République, ils ont dit, nous sommes en train de parler maintenant, oui, mais nous voulons beaucoup plus voir les actions. C'est ce que nous, peuple, nous sommes en train d'attendre. Donc nous sommes en train d'attendre les actions. Pourquoi? Parce que dans les accords, il est dit, celui qui commet des crimes sera sanctionné. Et les actions que nous sommes en train d'attendre, c'est les sanctionner. Parce qu'il a même évoqué une loi qui va pouvoir protéger les personnes qui sont frappées des crimes de guerre. Vous comprenez un peu. Il a même rassuré, durant son discours, à l'est du pays, aux enfants qui ne vont jamais plus raconter des enfants nés dans des circonstances malheureuses. Donc, nous avons espoir que dans cet accord, les histoires vont changer. Donc, ça va changer au Congo. Ça va changer aussi pour le Rwanda. C'est aussi pour tirer les oreilles du Rwanda, parce que le Rwanda aussi fait partie des pays qui ont signé l'accord de la CPI. Mais nous le savons, M. Fortuna, qui est la majeure partie des infracteurs par rapport à cette histoire de l'Est, c'est beaucoup plus le Rwanda, parlons de Rwandais.
par l'entremise de plusieurs groupes armés. Ça, nous le savons bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CPI s'impose pour sanctionner encore une fois des personnes ou encore de gens impliqués dans cette affaire? Ne ce serait pas une façon de s'imprégner de la situation, de la chose, comment ça se passe à l'Est ou encore un peu dans le quartier du Congo? Ou encore, je veux ajouter, n'est-ce pas une façon de mettre encore la main sur notre politique pour nous mater davantage? Bon, je dirais cette question a double sens. Est-ce que l'accord va seulement viser les politiques congolais? En tout cas, là, je ne suis pas partant de ça. Mais je suis beaucoup plus partant de dire que cet accord-là va viser ceux qui vont commettre ou ceux qui sont en train de commettre des bavures. Vous serez d'accord avec moi que ceux qui sont des tireurs de ficelle à l'est du pays ne sont pas toujours rwandais. Il y a aussi des Congolais qui sont cités. Je vais vous citer quelqu'un qui est congolais. Willy Ngoma n'est pas un rwandais. Qui est le porte-parole de l'RDU M23, c'est un Congolais. Et dans ces groupes-là, on va trouver aussi des Congolais à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que cet accord-là va sanctionner et les Congolais, n'est-ce pas, et les Rwandais qui sont en train de commettre ces crimes à l'est du pays. Vous pensez que la première des personnes à être sanctionnées, c'est Willy Ngoma, selon vous? Bon, le premier des personnes à sanctionner, selon moi, c'est d'abord le Congolais. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, on appelle ça haute trahison. Vous êtes Congolais, pourquoi créer des troubles? Pourquoi soutenir la guerre à l'est du pays? C'est une trahison pour le pays. Nous devons soutenir la paix dans le pays. Nous devons soutenir, n'est-ce pas, l'avancée du pays. Parce que la guerre n'a jamais créé le progrès dans un pays. Et soutenir la guerre, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes contre ça. Raison pour laquelle nous sommes en train de soutenir cet accord. Mais en sanctionnant, que cet accord-là ne sanctionne pas seulement les politiques congolais. Là, nous sommes en train de marteler là-dessus. Que ça sanctionne aussi les politiques rwandais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de les dire hautement que ceux qui sont en train de créer la guerre, ceux qui sont en train de soutenir la guerre à l'est du pays, n'est-ce pas? C'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui est en train de soutenir la guerre à l'est du pays. Pourquoi? Parce que c'est qu'ils sont en train de voler, pour le dire d'une manière très crue, c'est qu'ils sont en train de voler les minéraux qui sont en train de partir au Rwanda aujourd'hui et en train de faire le développement du Rwanda. Il y a un adage français qui dit « Les malheurs des uns font le bonheur des autres ». Exactement, c'est ce qui est en train de se passer entre nous et le Rwanda. Notre malheur est en train de créer le bonheur du Rwanda. Ils sont en train de nous tuer et ils sont en train de prendre notre minerai pour construire leur propre pays. Or, ça ne doit pas être comme ça. Nous sommes en train de dire que les choses cessent. Le pape d'ailleurs l'a dit. Tous ceux qui ont le main sur la RDC, vous pouvez déjà lever votre main. Pourquoi? Parce que la RDC est appelée à évoluer. La RDC est appelée à construire un pays dans la paix. N'est-ce pas? Pourquoi pas aussi profiter de ces minéraux et de nos recherches, de nos richesses? Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un appel à tout le monde, n'est-ce pas, à se ranger derrière le président de la République en suivant cet accord, en espérant que c'est un accord qui apportera un changement. Toujours de l'espérance et des promesses, parfois, qui ne sont pas réalisées, mais on doit toujours espérer. Nous avons connu des accords, des dispositions, mais aussi des lois qui ont établi et encadré essentiellement la liberté de certains, des uns et des autres. Mais aujourd'hui, notamment, nous comprenons encore qu'il y a encore la naissance des accords, histoire qu'on ne peut nécessairement pas voir sans pour autant dire. Mais est-ce que croyez-vous, avant, il y avait des sanctions qui ont été prévues à celui qui commet un délit ou une infraction? Aujourd'hui, on nous amène encore d'autres accords. C'est pour essentiellement en faire quoi? Où il fallait réellement regarder ce qu'il y en avait avant? Est-ce que évaluer certainement certaines dispositions, peut-être ce serait la meilleure des idées? Une très bonne question. Déjà, pour vous répondre, il y a un adage aussi qui dit « l'espoir fait vivre ». On a tous de fait le droit. Nous savons, lorsqu'une loi vient dans une société, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour répondre à un souci, ou c'est pour faire cesser, n'est-ce pas, un mal qui est en train d'abattre une société. C'est aussi ça, une loi. Mais donc, une question, je crois, sert aussi importante, est-ce que ce qui est déjà fait a répondu aux différentes préoccupations? Et vous avez parlé de l'évaluation. Nous croyons tous qu'ils ont fait l'évaluation de ça. Parce qu'avant les accords... Là, c'est une création. Avant de signer les nouveaux accords, il faut premièrement évaluer les anciens accords pour voir ce que ça a donné. Déjà, toi et moi, nous savons que ça n'a rien donné jusque-là. Si ça a donné des choses, bon, moi je sais personnellement que Jean-Pierre Bemba a été arrêté. Il y a tant de gens qui ont été arrêtés. Le dossier Fidel Baba là et consorts. Mais c'est timide au fait. C'est timide parce que le plus grand tireur de ficelle aujourd'hui,
On les connaît tous, on mange avec eux, ils nous appellent, on parle avec eux, mais ils ne sont pas sanctionnés. Je vais vous donner une histoire, une petite... bon, pas une histoire, mais bon, vous rappelez une personne, Kounda Batoir. Aujourd'hui, il est où? Avec le M23. Effectivement. Non, avec le SNDP. Il est toujours rebelle, mais il a été arrêté. On a tous eu cette information que Kounda Batoir a été arrêté. Et c'était quoi son sort, en fait? Le sort a été non connu. Et aujourd'hui, il est redevenu rebelle. Quid les accords anciens? Vous comprenez? Alors, moi, je trouve qu'il a été nécessaire pour le président de la République de signer encore de nouveaux accords pour amener une nouvelle approche de choses. Parce que l'ancienne approche n'a pas donné du bon fruit. Alors, nous croyons, n'est-ce pas, avec les paroles prononcées par les procureurs de la CPI, que les choses vont maintenant changer avec cette approche-là. L'approche-là qui est, premièrement, de protéger la population et de protéger la RDC, de sanctionner ceux qui sont en train de commettre ces bavures. Parce que ces personnes-là ont longtemps marché sur la RDC, mais non sanctionnées, y compris les Rwandais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Paul Kagame. Paul Kagame qui est en train de faire une très bonne face à la vue du monde. Mais nous savons ce qu'il est en train de faire en dessous. Et aujourd'hui, il est cité des CEO. Mais malheureusement, nous déplorons, n'est-ce pas, parce que l'opposition ne condamne pas jusqu'à aujourd'hui. L'opposition n'a pas condamné Paul Kagame. Il a fallu que l'opposition se joigne à vous pour que vous ayez gain de cause. Non, au début de cette émission, vous avez dit que nous sommes tous des Congolais. Et un bon Congolais doit quand même condamner, même si vous êtes opposant. Nous sommes tous en train de lutter, non pas pour notre propre pain, mais pour l'élévation des autres sociétés. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit à tout prix dénoncer la chose. Sauf que vous avez rejeté l'idée selon laquelle ils sont aussi en train de combattre et de lutter pour, je vais encore ajouter, militer pour la liberté de cette nation. Bon, ils sont en train de militer, oui, ils sont en train de militer, mais de quelle manière ils sont en train de militer? Je comprends qu'ils ne sont pas dans une autre casquette, ils sont que des Congolais qui sont en train de militer. Bon, en tout cas, ils sont en train de militer. Là, je ne sais pas aller en profondeur, en tout cas. Pourquoi? Parce que... Mais du moins, vous avez reconnu leur lutte. Étant population, oui, on peut lutter. On peut lutter pour son propre pain. Moi, j'ai étudié, j'ai lutté pour mon diplôme à moi. Vous comprenez un peu. Et ils devaient aussi lutter pour le pays. Mais ta progéniture profiteront de ces diplômes. Quoi de plus normal de parler que vous êtes un beau Congolais? Exactement, je suis un beau Congolais, donc j'ai lutté pour mon diplôme. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pour que ta famille et ta progéniture en profitent. J'ai lutté pour mon diplôme. Et aussi, ils sont en train de lutter pour leur pain. La société, la communauté, c'est ça la première de choses. Vous appartenez, puisse en profiter. Lorsque vous êtes leader, il faut d'abord enlever le mal. Vous comprenez? Parce qu'ici, on parle de la leadership, on parle du patriotisme. Ils sont leaders. Ils sont leaders patriotes, n'est-ce pas? Ils sont leaders. Ceux qui sortent dans la rue ne sont pas patriotes, sont aussi des opposants. J'arrive. Peut-être c'est que vous ne voulez pas qu'on puisse parler. J'arrive. Ils sont leaders et ils sont patriotes. Prenez les cas de cela. Mais ils devaient aussi condamner le Rwanda. Condamner Paul Kagame. Sinon, on va dire que vous êtes en train de soutenir Paul Kagame. Sans pour autant dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des spéculations qu'on a trouvé d'un message dans les téléphones des cellules qu'on avait arrêtées à l'aéroport, sans citer son nom. Et comment on va dire que vous êtes derrière le pays tant que le Rwanda est en train de tuer jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas condamné? Vous êtes resté muet. Mais cette condamnation, vous le faites. Quel est alors le gain de cause? N'est-ce pas, ça prouve à suffisance la limite et la coopération de l'État avec le Rwanda pour permettre à ce qu'aujourd'hui qu'il y ait l'occupation à l'Est? C'est peut-être la raison qu'eux, ils sont en train de déplorer. Non, l'État a essayé de coopérer avec le Rwanda d'une parfaite manière, mais c'est qui n'a pas marché parce que le Rwanda avait d'autres cartes. Lorsque l'État coopérait avec le Rwanda et ils étaient en train de crier que non, Félix est en train de tuer le pays, Félix a appelé Paul Kagame son frère. Donc ils ont dit beaucoup de choses. Maintenant nous sommes revenus à la voie. Vous reconnaissez qu'ils ont quand même haussé leur ton. Ils ont haussé leur ton, oui, mais en condamnant la politique de Félix Tshisekedi. La politique rwandaise aussi, il faut l'accepter. Effectivement, en condamnant la politique d'abord de Félix Tshisekedi. Non, la politique rwandaise, mais la position de Tshisekedi, là, il faut dire clair. Non, la politique de Tshisekedi, je veux revenir sur vous. Pourquoi la politique de Tshisekedi? Parce que Tshisekedi avait dit de signer des accords avec le Rwanda, n'est-ce pas? Les accords qui vont aller, bon, les accords gagnant-gagnant, mais auxquels la RDC n'a pas bénéficié jusque-là. Et moi, je me dis d'ailleurs que le président était très malin. Très malin, pourquoi? Parce qu'il a donné un couloir au Rwanda pour sortir. Et si Kagame était très intelligent, Kagame allait retirer déjà les M23 dès lors des accords. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on parlera d'autre chose.
Alors aujourd'hui, nous sommes en train de condamner le Rwanda. Parce que hier, vous aviez dit non, le Rwanda va nous faucher compagnie. Bon, nous avons remarqué que le Rwanda fauchait compagnie. Nous sommes en train de condamner le Rwanda. Et quelle est votre position? Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Essanga, Mathia Tamponyo, quelle est la position que vous aviez aujourd'hui? Parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à moins que vous me dites le contraire, il n'y a aucun opposant qui a prononcé un discours en condamnant le Rwanda aujourd'hui. Sont-ils en train de soutenir le Rwanda? On ne sait pas. Sont-ils en train de jouer d'autres cartes? En tout cas, là, je ne sais pas. Je me réserve. Mais ce que moi, je vois et ce que moi, je sais, c'est que les opposants n'ont pas, n'est-ce pas, condamné les actes ou les bavures de Rwanda. Mais quand vous voyez, vous oubliez que le centre de l'action, c'est la condition de vie de la population. Tout tourne autour de ça. Et quand on parle de la condition de vie, on sous-entend que d'autre part, la guerre à l'Est, décriée et criée d'ailleurs par le gouverneur, pardon, excusez-moi, les gouverneurs militaires, je vais le dire ainsi, et même le porte-parole du gouvernement, on sous-entend que c'est une des causes qui fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas un bon pain pour la population, qu'il y ait rétrécissement de la vie sociale de la population au lieu de penser au peuple d'abord. C'est ça aussi un argument pour le pouvoir. Exactement, le pouvoir avait dit ça. Mais quand exactement le centre de l'action de l'opposition devient, vous devez changer les choses, on doit activer une autre narration. Pourquoi est-ce que cela donne un problème et pourquoi est-ce que vous avez une vision, une perception qu'ils sont en train d'appuyer ou d'acclamer le Rwanda? Puisque c'est ce que vous décriez, qu'aujourd'hui la guerre ne fait pas avancer le pays. Mais nous devons d'abord chercher qu'est-ce qui fait avancer le pays. Qu'est-ce qui devra faire avancer le pays? C'est votre compétence, c'est votre travail, c'est votre devoir de pallier au problème et de donner à la population une vie qu'il mérite. Excusez-moi. La volonté de changer le pays y est. Vous comprenez? Vous aviez dit tantôt qu'ils sont en train de militer. Vous avez dit tantôt qu'ils ont, ils ont décrit les choses... Hein, qui sont faites à l'est du pays. Mmh. Nous sommes d'accord. Mais Vital Kamerhe avait dit ceci lors de son dernier discours. Ils sont en train de nous critiquer, oui, mais c'est lui qui critique. Amène aussi la proposition de ce que tu es en train de critiquer. Mais jusque-là, ils sont en train de critiquer. Mais ils veulent que nous puissions faire quoi? Le pouvoir a essayé de proposer, en parlant même des élections, on a proposé un couloir de sortie qu'ils ont rejeté. Et tout ce que le pouvoir est en train de proposer comme programme chez eux, c'est toujours mal vu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Apportez vos propositions. Ce qui n'est pas fait au camp de l'opposition. Alors, on ne sait pas. Vous militez pourquoi? On va aborder cette question. C'est vous militez pourquoi? Donc, c'est aussi ça. Lorsque vous allez recevoir les opposants, il faut aussi leur demander. Vous êtes en train de critiquer le pouvoir? Oui. Mais quelle est la proposition que vous avez faite? Jusque-là, il n'y a pas de proposition au camp de l'opposition. Nous sommes en train de voir. Et même entre eux, ils ne savent pas qui sera candidat président de la République au mois de décembre. Est-ce que c'est Denis Essanga? Est-ce que c'est Mathia Tamponyo? Est-ce que c'est Martin Fayulu ou Moïse Katumbi? Là, on ne sait pas, on n'en parle pas encore. On va y arriver, mais on va d'abord en parler. Parce que, vous parlez de la position des opposants. Puisque vous parlez qu'ils sont en train de fustiger les comportements, mais notamment un comportement qui est mal vu de l'opposition, mais une raison pour le pouvoir. Je veux directement prendre ces propos de Patrick Muyaya lors de son passage à France 24, qui a évoqué le cas comme par exemple pour dire que l'opposition ne veut pas autre chose que le dialogue et pas autre chose. Et c'est peut-être pour trouver des excuses par rapport au report des élections. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition qui est en train de décrier que vous ne les accordez pas le droit de marcher, de discuter, d'échanger, serait aujourd'hui une raison que vous puissiez dire que l'opposition veut un dialogue et veut les reports des élections? Le manœuvre de l'opposition est connu aujourd'hui parce que l'opposition est tenue en échec. Là, on doit être d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, Félix Tshisekedi, même dans le sondage, est à la hauteur. Alors, quand on voit que nous sommes en train de travailler des ans dans l'échec, il faut changer de position, changer de posture, changer de politique, changer de philosophie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ce que l'opposition cherche maintenant, c'est les dialogues, comme a dit Patrick Muyaya. Pourquoi? Parce que lors de la marche, nous sommes d'accord qu'ils ont fait un flop. C'est une marche qui n'a pas été réussie. Ils ont fait un sit-in à peine, je comptais, c'était 26 ou 30 personnes. Or, l'opposition, à l'époque d'Étienne Tshisekedi, c'était différent. Étienne Tshisekedi appelle les gens à marcher. Non, mais c'est toute une ville morte.
Étienne Tshisekedi appelle les gens à faire les sit-in. Nous ne savons combien de sit-in on a fait et avec combien de personnes. Mais aujourd'hui, avec l'opposition, c'est... Bon, je ne sais pas si on va dire réellement on a une opposition. Parce que l'opposition, depuis lors, a toujours été soutenue par la population. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir le contraire. Et je me dis même le conseil de Katumbi, entre autres, Tiani et consorts, l'ont menti. Ils ont dit à Katumbi que Katumbi était populaire. Mais c'était le contraire. Monsieur Katumbi est descendu sur terrain, il a vu ce qui s'est passé. C'était déplorable. Katumbi n'est pas populaire. Aujourd'hui, tout le monde s'arrange derrière la vision du président de la République. Tout le monde sait que le président de la République, Fatih Beyton, a une très bonne vision pour la RDC, bien que la vision est très combattue. Mais il est en train de se battre, il est en train de se promener pour que la vision se réalise. Est-ce qu'on combat une vision? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Une vision. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire, c'est de combattre une vision. Comment? Laissez-moi. Qui est abstraite, comment on peut la laissez-moi finir. Continuez. Laissez-moi finir. Lors de la marche, on a vu Martin Fayoulou dire aux inciviques de lancer des pierres aux policiers. Un argument de moi, l'opposition. Comment appeler tes compatriotes des inciviques? Non, ce sont des inciviques, mais c'est lui qui commet des bavures, c'est un inciviques. Vous aussi, vous pouvez être un inciviques. Lorsque vous commettez des bavures, vous êtes des inciviques. Non, ne dites pas ça, parce que... Effectivement, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Ça ne relève pas, lorsque, ça ne relève pas de vous de pouvoir lorsque, citer, parce que notamment, c'est un injure. Lorsque ces gens-là sont en train de lancer de pierres contre le policier, comment on va appeler ces actions-là, ou ces actes-là? Ce ne sont pas des actes inciviques. Alors c'est quoi? Vous avez des réponses. Moi, je pose que des questions. Effectivement, ce qu'ils ont fait, ce sont des actes qui montrent qu'ils n'ont pas besoin, en fait, de l'avancée de ce pays. Vous savez, et moi, j'ai pu remarquer même dans la marche-là, les policiers ont été coopératifs. Très coopératifs. Ils ont essayé de les encadrer. Mais l'intention, en fait, de l'opposition, c'était de faire nuisance à la police. De nuire à la police. La police on a essayé de pas vider. De la marche. Revenons, s'il vous plaît. Je rentre. La police a essayé de que vider. Que pensez-vous? Mais ce n'était pas. Que pensez-vous au dire de Patrick Muyaya qui dirait que l'opposition veut chercher une position pour le dialogue parce qu'elle n'est pas prête pour les élections? Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Voir ce qui s'est passé. La marche, le sit-in. L'opposition n'est pas prête à aller aux élections parce qu'ils savent déjà si on va aux élections aujourd'hui, ils vont perdre les élections. Aller aux élections, oui, avec quelle population? Qui sont derrière eux? Qui sont derrière eux? Parce qu'aujourd'hui, toute la population est rangée derrière le président de la République. Vous avez vu les sondages. Et ce que Tshisekedi a comme vision pour le pays, je crois bien que l'opposition aujourd'hui est clouée, est très clouée même. Et ils ne pourront pas s'en sortir. Alors, une seule voie de sortie pour eux, c'est de chercher le dialogue, chercher comment éviter ces élections, chercher comment entrer à la part de la division de gâteaux. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Raison pour laquelle je vous ai dit, est-ce qu'ils sont en train de militer pour le pays? Non, moi je ne le crois pas. Ils sont en train de militer pour le pain. Mais parce que si c'était seulement... Si c'était seulement... Vous avez donné aussi de la chance à cette opposition, parce que tantôt vous avez dit ici que l'opposition ne veut pas revenir sur la table des voix ou d'entrevoir des dispositions claires pour finir avec la guerre à l'Est. Vous venez de le dire, vous l'avez dit tantôt. Pourquoi ne pas accorder cette chance s'il faut le dialogue, d'appeler aussi les opposants, nos chers compatriotes, venez, comme ça on va se mettre sur une table. Dites-nous ce que vous pensez, ce que vous voulez que nous fassions. C'est plus simple que ça. Non, au lieu de les accuser de tout mot. Non, mais premièrement, il faut, avant d'aller au dialogue, il faut tabler les choses. Il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas pour aller au dialogue. Mais c'est déjà on ne peut pas aller au dialogue parce que... Nous avons tout ce qui ne va pas. Non, on ne peut pas aller au dialogue parce que moi, Monsieur Fortuna, je m'indigne. Je n'ai pas la... En fait, on ne m'a pas donné la part de gâteau. Vous comprenez? On ne peut pas aller au dialogue parce que vous, monsieur Elvis, vous n'êtes pas ministre. Cette frange de la population qui manifeste et ne vous dit rien. Ceux qui sont en train de manifester. Ceux qui sont en train de... En fait, moi, je dirais tantôt que ce sont des gens que l'opposition est en train de manipuler. Parce que ces gens-là, en réalité, n'ont pas besoin de marcher. C'est ça, oui. En fait, moi, je dirais des gens, en fait... de fan club, au fait, pour le dire ainsi, hein, ça me rappelle l'époque de Wenger, le fan club de Martin Fayoulou, le fan club de Moïse Katumbi, qui sont en train de manifester. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Les inciviques sont devenus des fan clubs.
Parce qu'ils se sont retrouvés. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont des anciviques. J'ai bien dit, les anciviques, ce sont des gens qui ont lancé de pierres, n'est-ce pas, aux policiers qui essayaient d'encadrer la population. Et qui marchaient pour une cause noble. Non, vous avez suivi la vidéo avec nous. Vous avez vu comment... Vous voulez nous dire... Vous non, non, vous, dire... vous avez suivi la vidéo Monsieur et vous Fortuna. Avez vu comment Martin Fayoulou disait, n'est-ce pas, pour Monsieur dire Kuluna, c'est un terme d'ailleurs qui est chevalier au Congo, à ces Kuluna de lancer des pierres aux policiers. Monsieur Fortuna, vous voulez nous dire que ceux qui manifestaient en son temps avec Étienne Tshisekedi étaient aussi manipulés? Moi, je manifestais avec Étienne Tshisekedi, je n'étais pas manipulé. J'ai réclamé mes droits. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, j'étais étudiant. Quelle est la différence entre les manifestants à son époque la différence, et aujourd'hui? La différence, c'est que à l'époque, lorsqu'on manifestait, n'est-ce pas, on manifestait pour de bonnes causes. Okay. On manifestait pour que les choses changent. La cause du pain. Et la cause de la le guerre pain social. À l'Est. Non, mais c'est ça. Le pain social. C'était ça l'objectif. La guerre à l'Est, les élections. Chaotique. Parce que nous savons combien des élections chaotiques qu'on a eu dans ces pays. Mais de peur que nous n'ayons encore ces histoires. Et on a eu de marches pacifiques. Ce sont de policiers qui usaient de la force, n'est-ce pas? Qui faisaient des répressions. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, monsieur Elvis. Vaut mieux prévenir que guérir. Si aujourd'hui l'opposition s'est fait office d'une alerte à la bombe pour vous signaler que voilà ce qui clignote, demain ce serait pire. Avant que nous reprenions ce que nous avons vu sous Kabila, peut-être ce ne serait pas une bonne chose que vous puissiez vous arranger, vous, le pouvoir. Non, aujourd'hui, les choses sont très différentes. Parce qu'à l'époque de Kabila, on savait tous des manigances qui se faisaient à l'époque. Et nous, on décriait. Mais on marchait tous pour une même cause. On marchait pour une même cause. Et on décriait cela. Mais aujourd'hui, les choses sont bien claires. Qu'est-ce qu'on décriait? Vous pouvez me le dire? J'arrive. Aujourd'hui, on décriait quoi exactement? On décriait le manigance de Kabila, les élections chaotiques, le manque du travail, le chômage, la condition des études des étudiants, manque de bourse et consorts. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en train de lutter pour que ce qu'on marchait à l'époque-là puisse réussir aujourd'hui. Et vous voulez encore marcher? Oui, vous marchez pourquoi? Le but même de la marche, le président de la République avait dit récemment, le but même de la marche est inconnu. On ne sait pas, vous êtes en train de marcher, oui, mais pourquoi? On vous a dit de marcher, on vous a donné des itinéraires, marchez alors. Alors pourquoi créer des bavures? C'est que vous manquez d'arguments. N'est-ce pas que le président de la République est mal entouré? Le président de la République est-il mal entouré? Personnellement, je me réserve de répondre. Pourquoi? Parce que la fois passée, j'ai suivi, je crois bien qu'il sera répondu, bien sûr, j'ai suivi Monsieur l'abbé, Monseigneur aujourd'hui, Donatien Cholet, qui a même dit ça, que le président de la République est mal entouré. Oui, mal entouré, mais il faut citer le nom. Non, mais on ne peut pas citer les noms. Oui, mais il faut citer les noms. Comment est-ce qu'on saura son nom? Il faut appeler les diables par son nom. Non, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez à la fois une chose avec son contraire. Non, je ne vais pas comment une chose. Comment je peux savoir toute personne qui vous entoure? Il se peut que vous soyez dans votre chambre, il y a quelqu'un qui vous entoure. Il se peut que vous soyez au travail, il y a vos amis, il y a le non, camarade. Non, mais les grands décideurs aujourd'hui sont connus. On a les conseillers du président de la République. Entre autres, le président Billy Maloua, qui est aussi conseiller du président de la République. On a les directeurs du cabinet. Toutes ces personnes-là pour le président de la République. Alors, quand on dit, et ce sont des décideurs aussi, quand on dit que le président de la République est mal entouré, oui, mais qui entoure le président de la République? Ses ministres, le premier ministre, Bahati ou Christophe Mosso? Mal entouré, oui, mais qui l'entoure mal et qui les conseille mal? Vous comprenez un peu? La fois passée, on a dit non. La question n'est pas répondue. J'arrive. On a dit non, il y a des caciques de Kabila qui ont quitté Kabila, qui ont quitté les PPRD et ils sont venus s'infiltrer à l'Union Sacrée et ce sont eux qui sont en train de conseiller le président actuellement ou de désorienter le président actuellement. Est-ce que vous pensez le président de la République, n'est-ce pas, n'a pas de conseil autour de lui pour lui dire que celui-ci s'est travaillé, celui-là ne s'est pas travaillé, celui-ci va t'induire à l'erreur et celui-là ne peut pas t'induire à l'erreur? Si le président de la République quand même réfléchit, c'est un homme de grande classe, c'est un grand politique dans ce pays. Alors dire qu'il est mal entouré, oui, lui-même il sait bien analyser. Au lieu de place de répondre à sa place, laissons le président de la République calme, faire son travail comme il le faut. N'est-ce pas, c'est ce à quoi les gens font allusion par rapport peut-être à l'entourage qui essaie de fustiger, excusez-moi, des transfiges du FCC qui sont devenus aujourd'hui
tshisekédistes. Ce sont le même discours qui ont été tenus à l'époque de Mobutu. Mobutu a été mal entouré. Le même discours avec Kabila le père, il a été mal entouré. Le même discours avec Kabila les fils, il a été mal entouré. Tshisekedi ne l'a pas dit. Le même discours avec Tshisekedi, il est mal entouré. Oui, mais on sera entouré de qui? Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est entouré des agents de l'UDPS, des militants de l'UDPS. Et au lieu place que moi, je puisse dire que le président de la République est mal entouré. En tout cas, je me réserve de ça, n'est-ce pas? Attendez, je me réserve de ça. Je vais vous faire voir peut-être l'une des raisons qui fait en sorte que vous ne soyez pas réellement rationnel dans la démarche d'aider le chef de l'État. Allez-y. Il se pourrait de comprendre que, en tant qu'humain, nous avons cette nature de commettre parfois les erreurs. Et c'est humain. Et auprès du chef de l'État, il n'y a pas que de saints. Le simple fait de comprendre et de réaliser que certes, oui, il y a parfois de mauvaises personnes, il y a parfois des mauvais germes qui entourent le chef de l'État, et nous devrions être prudents et prévoyants afin que demain ne soit pas pire, parce que ce sera encore une raison, comme disait Joseph Kabila, et si j'avais seulement quelques personnes de bonne foi, soit des bonnes personnes autour de moi. Mais ne voyez-vous pas que le fait de remettre en cause et de refuser carrément que tous ceux qui entourent le chef de l'État sont des bonnes personnes, sont des saints? Non, je n'ai pas dit ça. C'est par cette note que vous déchaînez, c'est par cette note que vous chantez réellement la mauvaise volonté de comprendre quelle est réellement la bonne raison et la bonne raison de d'entreprendre la démarche du chef de l'État. Je n'ai pas dit que le président de la République est très bien entouré. Non. Mais jusque-là, vous n'avez pas dit. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas aussi dit que le président de la République est mal entouré. Non, je n'ai pas dit ça. Mais le contraire, c'est quoi? C'est que j'ai dit, c'est quoi? En fait, vous aviez dit ici que le président de la République est humain, n'est-ce pas? Tout humain n'est pas saint. Il peut commettre des erreurs comme toute autre personne. Et il doit avoir de bonnes personnes pour le conseiller. Moi, je vous ai dit ceci, que le président de la République, c'est une personne de haute classe. C'est un grand politique. Il ne fait pas de lui tout savant. Exactement. Il n'est pas savant. Il n'est pas savant. C'est la raison mais qu'il il a le sait. Conseils. Il le sait. Il le sait bien juger. Lorsqu'il a choisi ses conseils, n'est-ce pas? Il avait bien jugé de choisir. Avec cette de choisir, charge de gérer tout. De choisir ses conseils. Le nôtre, pensez-vous qu'il peut nécessairement aussi rien faire échapper dans ses yeux? Non. Au fait, le président de la République est là. Il y a des conseillers qui l'informent à temps et à contre-temps. Des conseillers qui sont là pour, n'est-ce pas, amener le conseil, au fait, au président de la République. Alors, c'est que moi, je ne vais pas dire c'est quoi. C'est que moi, je ne vais pas dire c'est accuser d'autres personnes tant que moi, je ne suis pas là sur place. Vous avez voulu qu'il accuse. C'est vous qui demandez non, de savoir moi, qui sont ces moi, je dis, le président de la République a la raison. Donc, c'est à lui de juger. C'est à lui de dire, celui-ci a bien travaillé, celui-ci n'a pas bien travaillé, alors je vais changer. Celui-ci peut me désorienter, celui-ci ne peut pas me désorienter. Parce que vous aviez dit ici que la majorité des gens qui sont aujourd'hui à l'Union Sacrée, ce sont des gens qui ont travaillé avec Kabila. Alors, on a eu les gens en face de nous. On sait voir qui avait du bien travaillé. Est-ce Mende qui avait bien travaillé? N'est-ce pas? Est-ce Patrick Mouyaya qui n'avait pas bien travaillé? Alors, on doit le mettre de côté. Si au président de la République, il est bien jugé. Vous n'avez pas eu le temps de quantifier. Vous avez réussi tout le monde. C'est ça aussi le problème. Non, ça, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il y a un de problème que vous devez accepter. En fait, c'est que moi, j'aime chez les présidents de la République, c'est que c'est un président très patient et très regardant. Des fois, il fait semblant de ne pas regarder, mais il sait bien regarder. Il sait bien voir. Il sait bien tirer des leçons, n'est-ce pas? Et il sait bien répondre au moment... au moment opportun. Il sait bien tirer de l'essence. Exemple, pour finir, exemple avec les accords de Rwanda. Lorsqu'il donnait le temps au fait à Paul Kagame de changer, Paul Kagame n'avait pas changé et il a tiré des leçons. On va prendre ces sujets, c'est le dernier sujet, mais avec quelques minutes, miettes de minutes, je pense avoir 3 minutes avec vous sur ces plateaux. Dites-nous, ça vous dit quoi aujourd'hui les contrats chinois qui paraît être un contrat léonais, mais le chef de l'État en Chine n'a pas fait débat pour cette question qui émane essentiellement comme une question de détournement de ce que la Chine avait fait de la RDC par rapport à ces contrats qui n'a pas été respecté. C'est une très bonne question. Déjà, est-ce un détournement? Est-ce
Bon, en tout cas, je ne sais pas comment le qualifier. Et ce que moi, je sais, c'est que l'IGF a dit que c'est un contrat mal négocié. Elle a ajouté, mais c'est aussi un contrat dont la part de la RDC était flouée. Exactement. On va dire flouée. Quoi, c'est qu'on a détourné. Exactement. Parce que, bon, j'ai eu le temps quand même d'écrire quelque chose sur ça, auquel je vais essayer de balancer pour que tout le monde puisse comprendre pourquoi c'est floué, pourquoi c'est mal négocié. Il y a une raison dessus. Il y a une raison, pourquoi? Parce que l'IGF... Il y a une raison parce qu'ils ont floué la part de Congolais. J'arrive. L'IGF a fait le travail, l'IGF a publié ceci. Il a dit... Le contrat chinois devait réaliser, les contrats chinois devaient réaliser, en fait, construire des infrastructures équivalentes à 3,2 milliards de dollars américains. 3,2 milliards de dollars américains. Oui. Alors, avec les infrastructures qui a été construites dans ces pays, n'est-ce pas, la valeur de ces infrastructures-là est estimée à 800 millions de dollars seulement. Entre autres, il y avait des histoires à réaliser. 5000 logements sociaux qui n'ont pas été réalisés, 31 hôpitaux qui n'ont pas été construits. Ce que moi je sais, c'est seulement l'hôpital des cinquantenaires qui a été refectionné avec un montant équivalent de 100 millions de dollars. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? En tout cas, là, je me réserve. Il y a deux barrages hydroélectriques qui devaient être construits, qui n'ont pas été construits. Deux universités, pas fait. Deux aéroports, pas fait. Et 3656 km de route. Et c'est seulement 536 km qui a été construit. Alors, le contrat devait être, n'est-ce pas, renégocié. Parce que la RDC, jusque-là, nous sommes perdants. Donc, vous êtes partant que ces contrats soient renégociés. Exactement. Les contrats doivent être renégociés parce qu'aujourd'hui, c'est un contrat, un type de contrat, et heureusement que vous êtes juriste, un type de contrat unilatéral. Je suis journaliste. Le contrat n'est pas à titre synalagmatique. Parce qu'au départ, c'était synalagmatique. Mais puis après, nous voyons avec les réalisations que le contrat a été unilatéral. Alors, il faut remonter la pente. Donc, c'est-à-dire que le contrat soit gagnant-gagnant. Vous prenez 50%, vous bénéficiez de nos ressources. Et nous aussi, nous allons bénéficier du travail que vous êtes en train de faire dans notre pays. Raison pour laquelle le président s'est rendu en Chine pour essayer de renégocier, n'est-ce pas, ces contrats-là chinois. Et nous espérons qu'avec cette renégociation, les histoires ou les choses vont changer. C'est très bien clair. On va citer avec cette petite et dernière question. Il y a M. Thierry Monsenepo qui a renchéri et dit que le travail de l'IGF est un travail à acclamer, mais aussi à encourager. Puisque cette dernière a pu mener des affaires qui aujourd'hui donnent du fruit dans les entreprises publiques par rapport à la croissance du chiffre. Qu'est-ce que vous avez à dire? Exactement, parce que nous avions vu depuis le contrôle de l'IGF et les travaux que l'IGF est en train de mener sur terrain, la patrouille financière, la DGI, la DGRAD, la DGDA, tous ont haussé leurs recettes. Raison pour laquelle moi j'ai dit, d'ailleurs je rejoins Thierry Monsenepo en disant qu'il a fait une très bonne analyse en disant que l'IGF a fait bien son travail. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur, lorsqu'on cite les noms de l'IGF, de faire les détournements de fonds. À l'époque, les détournements se faisaient. Et on ne savait pas qui a détourné, qui n'a pas détourné. Mais aujourd'hui, on sait bien suivre la traçabilité financière, surtout dans les caisses de l'État. Vous avez 5 secondes, vous avez un dernier mot. Un dernier mot, c'est un mot de remerciement. Premièrement pour cette invitation et un mot d'encouragement au président de la République. Pour ceux qui veulent me contacter, n'est-ce pas, ils vont pouvoir passer chez vous pour pouvoir... Bien sûr que oui, je vais rapidement donner les numéros. Merci beaucoup. Pour ceux qui voudront bien contacter, Fortunon Duta, allez-y, composez le 082-006-4747. Je répète, 082-006-4747. Vous voulez bien lui contacter, lui joindre par la voie téléphonique ou encore WhatsApp, c'est son numéro. Ainsi prend fait cette émission. Madame, ici, restez bien chez vous. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Portez-vous bien.